Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on continue la prise en main de ce fourplay. On est toujours sur ce tas de palettes que j'aime beaucoup en ce moment. J'aime beaucoup ces petites sessions de progression où on roule une heure, on module un peu ces palettes pour pouvoir faire des zones différentes, pour pouvoir travailler certains combos. Donc on va continuer aujourd'hui. Je vous avais montré la semaine dernière les bar spin. Aujourd'hui j'ai envie de les travailler. J'ai 2-3 combos en tête avec les bar spin. On va essayer ça tout de suite. C'est parti. Bon alors, première ligne de la journée, je monte sur ce petit module. Je mets ma roue avant ici, je fais un pivot stoppie pour pouvoir poser ma roue arrière juste sur la buse. J'essaie de poser ma roue arrière sur la buse, de faire un Abubaka, de me remettre droit ici. On essaye ça, c'est parti. Bon allez, première ligne de cette journée. Je viens ici. Yes. Ça m'a l'air pas mal tout ça. On passe à la ligne suivante. Bon, ligne suivante, je monte ici. Le but, ça va être d'apprendre les bar spin en drop, c'est-à-dire en descendant un obstacle. Donc là, pour l'instant, la buse et la table sont un peu trop haut pour mon niveau de bar spin, surtout que je sais pas encore si j'arrive à avancer, si j'arrive à dropper d'une marche. Donc le but ici, ça va être de venir sur cette table. Je me place en roue arrière, je saute sur la buse, je descends de la buse, je reste roue arrière et avec le rebond de la réception, j'envoie un saut, je lance un bar spin et je regarde si j'avance. Je vais chercher un petit repère. Tadam ! Je vais m'aider d'une petite planche que je vais poser juste ici. On essaye ça. Let's go ! Allez, on arrive. On monte sur cette table. Bam ! On enchaîne. On n'est pas bien par terre là. On repart sur le petit enroulé. Yes ! Et sur la roue arrière. Sur la roue arrière, on se place droit. Bon, le dernier essai avait l'air pas mal. J'ai pris plus le temps de me placer bien droit sur la buse, quitte à faire un peu plus de bond, d'être un peu moins flowy. Au moins, j'ai rattrapé le bar spin, donc ça a l'air d'être important de se placer bien droit. Maintenant, je pense que c'est bon pour la planche. On va la dégager, essayer de mettre une palette, de rester bien droit sur la palette, de dropper de la palette en bar spin. Et on va essayer ça tout de suite. On prépare ça et on y va. Bon, le but ici est bien sûr de ne faire aucun bond. Yes, celui-là, il est passé nickel. J'ai pas fait un rebond de replacement. Je suis allé direct. J'ai rattrapé un peu le levier de frein avec la main à l'atterrissage. Mais je pense que j'arriverai pas à le faire mieux aujourd'hui. Donc on reste là-dessus. Ligne suivante. Bon, pour la ligne suivante, on reste toujours sur ces trois modules. Comme quoi, il faut pas grand-chose pour s'amuser. Je monte sur la palette, je saute sur la buse. De la buse, je fais un transfert 90 degrés. J'arrive ici et là, je vais essayer un combo qui me fait rêver depuis longtemps. Je vais essayer full jam whip. Je drop, je réceptionne en roue arrière, je ratterris, je lance un bar spin. On essaie ça, c'est parti. On monte sur la palette. Sur la buse. C'était pas le but. J'avais le pied sur la manivelle. On est reparti pour cette ligne. Yes, c'est pas facile à enchaîner celui-là, mais c'est enfin passé. Un combo mythique pour moi, ça fait longtemps que je voulais le faire, donc je suis super content de l'avoir passé. Il y avait quelques rebonds, mais je ne crois pas qu'il y en avait trop. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires juste en dessous ce que vous pensez de ce format. On a pris un peu le temps de progresser, on a travaillé que 2 ou 3 lignes aujourd'hui. En tout cas, j'aime bien ce genre de format où on progresse ensemble. Ça me plaît bien. Donc peut-être que je referai par la suite si ça vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre le petit like sur la vidéo, vous abonner sur la chaîne pour voir d'autres vidéos. On se retrouve bientôt pour une prochaine. Allez, salut !